Mesdames et messieurs, c'est mes fans, on se retrouve de nos Brawl Stars. Aujourd'hui, le pack opening hexagoné, il est un petit peu givré. Voilà, hein, on est un peu givré, il fait froid, de plus en plus froid. Il y en a qui me disent en commentaire, Bibi ne paye pas le chauffage. Bon, la question que je vous pose en commentaire, moi, c'est pas si Bibi paye le chauffage. La question, c'est allez-vous acheter le prochain Brawl Pass? Voilà, c'est la question que je me pose, parce que peut-être vous dites, Fang ne vous chauffe pas. Est-ce qu'il vous chauffe? Moi, le côté art martial, ça me chauffe. Maintenant, le brawler, faut peut-être qu'il up un peu. Je sais pas. On va rien dire, on verra comment ça se passe. Il y en a qui disent que c'est très fort, bon, on verra. Participation au pack opening abonné, être abonné à la chaîne, utiliser le mail bfapack@gmail.com avec grosfichier.com, ça c'est le site pour envoyer parce que ça passe pas dans un mail quand vous faites un bel enregistrement avec toutes vos boîtes, vous allez vous faire plein de trucs, ça va être charmé. Et voilà, et puis si vous voulez voir direct comment ça se passe, et ben vous savez quoi, on n'a qu'à faire bim, voilà, et on voit comment ça se passe directement avec un regard abonné. Donc il y a 632 TR, petit compte, il va dans le shop, le code dans la boutique, on revalide le code, allez. L'écran, voilà, c'est un peu comme si s'abonner en fait, hein. C'est un peu ça. 6 brawlers sur 53, il peut tout se passer. Il peut tout se passer. La question qu'on va se poser, c'est que est-ce qu'il va avoir des trucs incroyables? Il veut Squeak. Ah, mais le mec, il est à 653 terres, il veut Squeak, il veut Emery. Ouais, mais t'as raison d'y croire. Mais après, ça peut se produire. Mais Squeak, Emery, Meg, ok, bon, ok. Il y a des choses avant, hein. Je vous crois pas là, parce que là, il 6 brawlers, les potes. Hein. Il va déjà passer à. Enfin, logiquement, il y a beaucoup de boîtes. Hein. Donc, il peut passer déjà à 12 brawlers, 10, bah, peut-être 10, 10, 12 brawlers avec des. Voilà, avec des trucs comme ça. Avec ça d'abord, il y a des petits prérequis, mais très souvent on est surpris par ce que vous faites. Et du coup, c'est quoi, si t'arrives à choper une mythique ou une légendaire, ça mérite un pouce bleu. Voilà, moi je ferai pause et je peux pas faire pour mettre un pouce bleu, mais si t'arrives à le faire, ça mérite un pouce bleu. Mais et si t'en as deux, ça mérite deux pouces bleus. Voilà. Ou un sur la prochaine vidéo. Mais là, en vrai, alors après, s'il a 3 épiques, on sera content. Le 6, bon, vas-y, on y croit, on se bat. Ah, l'épique. Bon, ok. Ouais, t'es pas loin, ça compte pas. Il n'y a pas de pouce bleu pour l'épique, ok. C'est sa première épique quand même. Hein. Mais c'est pas mal joué déjà, hein, parce que, en vrai, déjà, il a pas toutes les rares, hein, je crois. Hein. J'ai pas vu toutes les rares. Hein. J'ai pas vu de Partabas, tout ça. Mais attends, mais il se veut pas tomber au Partabas. Regardez, Partabas, il tombe pas, les potes. Hein. Ricochet, il est tombé, mais Bartaba, il veut pas tomber. Hein. Je vois pas de point de pouvoir de Bartaba. Il se fait spam par son poteau. Mets-toi, on ne pas déranger, frérot, quand c'est comme ça. Allez. Ah, il va pas te lâcher. Mais quand même, n'empêche, il le base très vite. Hein. Il a une vitesse de basage. Le 6-6-6. Allez, El Costo. Oh, mec, il a la mythique. Le pouce bleu. Oh, bien joué. Mais il a toujours pas Bartaba. Il arrive pas à drop Bartaba, mais il a quand même drop drift, griffe et tarin. Regardez, Bartaba, il pop pas. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que lui, parce qu'il y a Primo, Rosa. Je crois qu'il lui manque... Poco, je le vois pas, non? Jackie. 2 sur 5. Énorme. Énorme, quand même, comment l'ordre des choses qu'il fait. Hein. Il est quand même pas mal, hein. Il est quand même pas mal du tout, les potes. Hein. Allez, la méga ici. Le 5 peut-être béni. Non. Allez, il y a encore. Hein. Ah, il a du brawl pass. Hein. Ah, il y va jusqu'au bout. El Costo Bull. Regardez, moi, je le vois pas, le Poco. Hein. Je pense qu'il y a Poco et Bartaba. On voit 0 points de pouvoir 2. Donc, ils sont pas là. Hein. Ah, bah, ils sont là. Voilà, hein, déjà. Poco, il est là. Voilà. Poco, il est là. Et Bartaba aussi, qui voilà, au finish quoi. Hein, on finit comme ça, c'est ça? Avec une boîte, voilà, tac, voilà. D'abord il prend griffe, ensuite il prend Tara, et après à la fin il se ferait Poco et Bartaba. C'est quand même énorme. Hein. Mais là j'étais vif, j'ai bien suivi ce qui se passait. En même temps il avait que 6 brawlers, donc c'était pas très difficile de savoir ce qui se passe. Là ça part en achat peut-être. Ça part sur une statistique. 0,10%, 0, c'est beaucoup ça, non? Sur la légendaire? Ça clignote, hein? Ça clignote? Oh! 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 Oh, comme ça! One shot! Le mec qui one shot la grosse boîte, bim! Allez hop, la stat, la légendaire derrière. Il avait 10% de chance, 0, non, pas 10% de chance, il avait 0,10. Non, il n'y a pas 0,10, 0. 0,10, il avait. J'ai plus. Ça me paraissait élevé ce qu'il avait, mais c'est quand même très très bien joué. Ok, là, disons que c'est propre là. C'est avant que ça piquait les yeux, non? Je pense qu'on avait un petit piquage de yeux avant. Comment il s'appelle ce pseudo? J'ai pas fait gaffe.
Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Ok. Ah. La petite touche de la vidéo pack opening. Du coup, Léon Dino, oui, parce que dans, je vous ai pas dit, mais il y en a qui, pour les habitués, ils savent ce que je raconte, mais ceux qui viennent pas souvent sur la chaîne ou qui sont nouveaux, vous savez pas que dans les pack opening des abonnés, on met aussi les achats des abonnés. Voilà, ils ralassent avec le code comme ça, tac, avant, ils disent, oui, je te fais croquer, et ils se font un kiff avec un skin qui leur plaît, et derrière, bah voilà, ça envoie la vidéo, ça passe à l'écran. La bûche, allez, la petite bûche. Ah, il est beau, hein. Franchement, il est value. Hein. Il y a des skins comme ça, le Spike Bush, le Squeak Phantom. C'est vraiment des skins pas chers et qui sont value quand même. Hein. Allez, le Squad, il a sauté. Du coup, on remet pour une semaine. Voilà. 39 sur 53. Donc là, quand même. Ok, on a une bonne vision de ce qui lui manque. Et il aimerait avoir Wally. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de Wally. Hein. On voit pas beaucoup de Wally Pop. Le Korbach aussi. Belle aussi. Korbach, Wally, Bell, ok. Korbach, Wally, Bell. Ah, c'est des bons brawlers en vrai qui. Lui, voilà, il raisonne méta, quoi. Il se dit, moi, je veux des trucs, je veux un bon lanceur, je veux une belle qui est OP. Eh ben voilà, une belle qui est OP, voilà, bah voilà. Voilà, voilà. Mais voilà. Du coup, il t'a mis la rareté la plus facile à avoir, on va dire, par rapport à tes choix. Mais bon, c'est quand même un choix qui a été réalisé, quand même. Un souhait. Nouvelle carte enregistrée. Ah là, ça va khalas. Ça va khalas. Allez, je pense qu'il a payé des offres. Hein. Allez, on est en pleine offre. Ah, on est en pleine offre. Le 8. Ah, de la ferraille du truc, c'est un 6. Donc, du coup, enfin, je modifie, hein, vous comprenez. Allez, Star Power, autofocus. Combien de boîtes? Une offre à combien, vous pensez, là? En tout cas, on est pas mal. 7. Ah, on va avoir des boucliers de la ferraille. On va avoir du chiffre 7 et du. Il faut voir du 8, hein, du coup. Hein. Le 7. Ok. Ou alors des 7. Ah, deux types de sets, pas un set équipement ou alors un set quelque chose autre. Est-ce que c'est un set et l'équipement ou pas? Ouais, il est équipement. Ouais, j'ai l'impression que bah, il va falloir peut-être du 8 pour être plus tranquille. Hein. Au moins le 8, on est sûr qu'on a. Voilà, ça, voilà. Là, on sait que. Voilà, attention, gadget possible. Gadget Star Power possible. Oh, oh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est franc, c'est viril, bim, c'est Ambre, sa quatrième légendaire sur 6. Ah, l'offre qui ralasse. Allez, allez, vas-y, le 6, allez, avec la ferraille, avec la petite photo qui passe à gauche, allez hop. Oh, le 7, et c'est, bah ouais, bon, c'est, hein, si c'est 7 là sur son ouverture à lui, ça va être compliqué de briller là-dessus. Voilà, bon, c'est quand même bien, hein. Ça lui fait du matos hein. Pour équiper ses brawlers pour plus tard, parce que là, il faut les passer après les brawlers 10 et 11. Hein. Eh ouais, hein. Faut du gold, hein. Pas évident. Le 8 ici. Attention, c'est maintenant. Allez, Star Power, c'est quoi ce sourire? Ah, c'est, on dirait il a un vrai smiley lui, un truc, j'avais jamais fait gaffe, Griff. Je connais pas bien. Moi, je connais plus le sirop gluant, la tisane réconfortante. On connaît hein, les classiques des gadgets qu'on aime bien voir. 20 sur 53, enfin, qu'on aime pas voir. Allez. 3. J'aime, c'est la pauvreté. Le soutien est là. Vas-y. 0,09% de chance de 0,90. Ça fait. C'est quasiment 0,10. C'est quasiment une chance sur 1000. Voilà quoi. Un peu moins d'une chance. Une chance sur 1100, un truc comme ça peut-être. Allez, ça tape. Eh, c'est pas mal. Eh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal parce que. Bon, le brawler en vrai, non. Mais bon, au niveau du taux de drop, H, c'était pas évident, c'était quand même la mythique. Et dans une grosse boîte, ça fait plaisir, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ben non. Hein. Regardez-moi ça. Voilà. Et c'est parti. C'est plié, capture vidéo, ça enchaîne. Ça ralasse encore une off là? Je pense que ça part peut-être sur une off. Ah, c'est un reset. Capture vidéo, t'inquiète. On s'en fout de la capture vidéo. On est là. Oh, 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 c'est chaud là ce qui se passe là. Oh, c'est chaud ce qui se passe. Ça part sur Lola, mais c'est légendaire derrière, ça veut dire. Oh, ça veut dire que c'est légendaire derrière, c'était sûr. Oh là 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 là. Oh, la violence. La violence. Boubou, t'as tout cassé, frérot. Non, c'était pas Boubou, je sais pas, c'était un autre tête. Enfin, je sais pas qui que tu sois, t'as tout cassé, frérot. C'est comme s'il a eu double légendaire, parce que Lola, tant que Fang n'est pas sorti, elle a un taux de drop légendaire. Et c'est pour ça que quand on voit une chromatique arriver avec un derrière qui clignote, ça dépend. Ça peut être. On peut se retrouver. Bah, selon les cas de figure, le minimum, ça va être l'épique, quoi.
Ça peut être chroma épique de niveau machin, et ça peut être chroma de niveau plus, etc. Enfin, après, ça peut être chroma épique, mythique, légendaire. En gros, voilà, si on veut faire simple. Mais là, sauf que là, c'était forcément légendaire, en fait. Voilà. On était forcés sur la légendaire. Oh là là, c'est beau. Hein. Oh là là, le bon beau sapin, roi des forêts. Et merci pour les soutiens. Donc là, les séquences achats, elles sont présentes. On est là. Enfin, vous êtes là plutôt. Hein. Moi, je suis là, je regarde. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça, voilà. Je compte comment vous envoyer comme ça. Là, tac, tac, hop. Le 3 ici, ça a clignoté, vous pensez ou pas? Bah oui, voilà. Mobizen, il nous cache le 1, mais on le voit, il est là. Oh là 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 là, ça se lâche là d'un coup, là ça se lâche, ça monte en puissance. Il y a des moments, ceux qui savent, hein. C'est marrant, mais souvent, il y a... Comment dire, c'est go to the moon. C'est quand la crypto, elle s'envole. Là, l'opening, il s'envole. Là. Là, depuis le mec qui a fait le coup du Lola... Lola Léon, ça y est, on est en transition, je sais pas quoi, achat, et là, bim, derrière, ça remonte. La remontada. Allez, vas-y, mon gars. Ça part sur de l'achat encore ? J'ai l'impression, hein. Il a l'air chaud. Ok, lequel tu veux ? Le 79, j'aime, ça passe pas, ça. 59, ah, il faut la promo. Ah, il est en promo ? J'ai même pas fait gaffe, il y avait des promos sur... Ah, c'est GG, ça. 59, c'est un prix qu'on voit jamais, ça, le 59. Merci pour le soutien, du coup. Voilà, BG, ton petit tic, voilà. C'est propre, c'est mignon, c'est posé, c'est dans le casier, quoi. Ah, il a des boîtes aussi. Il a une petite boîte, un petit 6. Allez, pour la route. Pourquoi pas. Allez, on peut mixer, hein. On peut faire des séquences d'achat. Oh, plus les séquences légendaires aussi. Bah oui, bah forcément. Bah oui, on a dit, on a le décollage. Il nous fait croire qu'il est venu pour un petit achat. Il repart avec Korbach, frère. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, t'as été récompensé, tu vois, c'est ça, t'as voulu me supporter, t'as été récompensé, c'est comme ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Le Korbach en plus, l'emblème de la chaîne. Bah là, on a mis du Fang maintenant, mais bon. Oh, attention, je l'ai vu. Ascenseur émotionnel ou pas? Ah, on le voit jamais, lui. Et il pack comme, c'est vrai qu'on a, comme on est beaucoup à l'avoir chopé dans le défi, quand même. Bon. On peut s'imaginer qu'il a pas participé au défi, qu'il a commencé le jeu plus tard, ou qu'il était pas dispo, ou je sais pas. Ou qu'il a raté. Bon, d'accord, c'est oui. Mais peut-être que non. Et du coup, il l'a eu dans une boîte. Ça l'évitera de l'acheter dans le shop à 169 gemmes, mes potes. Hein. C'est déjà une économie. Hein. Ça fait plaisir. Chips. 32 sur 52. 1, 2, 3 chips. Qui connaît ça? Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai des enfants, ils me font 3 chips. Faut plus parler. Connaît ce jeu-là? C'est un jeu d'enfant, ça. Qui peut me dire en commentaire? Parce que si je me le fais à tout seul, je peux plus parler. Mais bon, 4 gemmes. On n'est pas sur de l'achat. On est sur la 6. Si grosse boîte. Pas non plus très lourd, hein. Je sais pas ce mentir, c'est pas. Oh mec, Mortis, ça clignote. Oh, c'est violent ça aussi encore. Regardez, mythique minimum derrière. Ou alors chroma. Oh là 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 là, c'est la chroma de niveau mythique, c'est H. Ben oui, je vous ai dit, c'est. Oh là 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 là. Ah, on est monté, hein. Direction la lune, hein. Oh là, ça descend plus là. Vous voyez ou pas? Non mais je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a toujours un point de rupture et là, tac. On a que du lourd là. Là, on a passé un stade, c'est que du lourd. Double brawler de niveau mythique, mythique légendaire. Enfin, bref, on descend plus là. Faut qu'on reste en haut, faut qu'on reste on the top. Allez, vas-y, c'est parti direct. Première boîte. Allez, one shot un truc. Ah non, fumée sans feu. Ah, y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Y a pas de fumée sans feu, y a pas de brawler sans. Ascenseur émotionnel, regardez ce qu'il nous a fait, la grosse boîte qui tape pas, mais derrière, bim, la petite boîte Wally, la petite boîte gratuite, tac. Ah, je vous jure, ah, j'y crois, hein. En fait, je suis pas, ouais, je suis superstitieux dans les back openings. Ah, je sais pas, bah là, en tout cas, bah après, là, maintenant, le problème, c'est que, faut que ça se termine bien, quoi. J'ai peur après parce que là, le mec il a quand même réussi encore à faire. Il a innové quoi. Il a dit hop, je te fais croire qu'il y a un brawler dans la grosse boîte, un truc trop bien, légendaire. Non, rien du tout. Et derrière, ah, la mythique, mais dans une boîte gratuite. Ah, dans la plus petite des boîtes. Donc ça, c'est quand même value quand même. C'est quand même. Hein. Allez, vas-y. Un 6, ok. Bah, 6 pour clore, ça peut être bien aussi un 6. Bah, ça dépend ce qu'il y a. Ouais, après, ouais, non, bah, il peut avoir une légendaire. Il peut y avoir une légendaire. Il peut y avoir Fang.
Non, elle peut pas avoir Franck. Ok. Corbac. Allez, vas-y, mon gars. Qu'est-ce que tu peux avoir? Un truc sympathique. Vas-y, il n'y a pas encore. Buzz, il va porter chance. Allez, vas-y, Buzz. Allez, vas-y, donne tout parce qu'il faut que ça passe bien. Ça passe bien. Allez, il veut pas, hein, il veut pas. Il a très peur. Il a très, très peur. Il va nous mettre une. Parce que si tu nous mets une épique, on sera un peu déçus. Oh, c'est vague. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est la légendaire. Ah, c'est une très belle légendaire. Ah, c'est une légendaire récente. 5 sur 6 sur une méga boîte à 6. C'est tout à fait honorable. Et je crois que ça va s'arrêter là-dessus, les potes. On s'arrête sur Meg. C'était pas l'apothéose, mais c'était quand même très beau. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.